Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon, Pyrophénix, Fafnir et pas Adaran parce que je peux pas me connecter. Parce qu'il ne peut pas se connecter, parce qu'il le mérite très certainement. Oh, t'es méchant. T'as été méchant, c'est comme ça. Méchant. Non. Il est méchant. C'est Fox. Et aujourd'hui, on vous fait une vidéo de League of Legends pour le délire, parce que j'ai trollé comme un sac dessus et je vais pouvoir troller en toute connaissance de cause en y ayant joué. Et en sans doute me faisant défoncer, puisque c'est la première fois qu'il joue. Donc, et qu'en plus vous jouez qu'à 4, parce que je peux même pas... Et qu'en plus on est effectivement 4 contre 5, et qu'en plus je me retrouve mid. Alors là je suis heureux d'être mid, et hop, un premier last hit, si c'est pas beau ça. Alors déjà, on ne peut pas deny les mobs. Alors deny, ça veut dire je ne peux pas tuer mes propres creeps, ce qu'on peut faire dans H1, et c'est très perturbant. Allez. Et j'ai pas de mid en face, c'est normal. Ah oui, bah c'est H qui est mid. Tuer son propre mob. Ah merde. Ça, c'est con. Bah je croyais que t'avais joué à Dota, ferais ça. Ouais, mais ça faisait longtemps. Ah bah. Bon, le dernier Dota auquel j'ai joué, c'était la version 4.1. Hein. Je sais pas si tu sais, mais ça va. Ah merde, H s'est reconnecté. H s'est reconnecté. Je reviens tout de suite. Moi, je retente de me connecter. Ça, alors je prends mes sorts au hasard. Prends en espérant A que... Ou ton ah vas-y, e. dis-moi. Mon A ou bon, mon E, c'est-à-dire mon 3. Avec Rise, tous les sorts sont bien. Ah bah ça m'avance vachement ça. T'as un sort qui fait des dégâts, un sort qui stunt et fait des dégâts. Rise, en fait. Et c'est quoi le rond qui fait, légionnaire, là? L'autre rond, j'imagine que c'est pas son ulti, vu que a priori il a pas son ulti. Ça diminue ton armure et ta résistance magique. Donc évite juste d'aller dedans, quoi. Oui, en d'accord. Je suis en train de me connecter. Ah, il est en train de se connecter, va-t-il y arriver? Chaque sort que tu utilises, je vais réussir. Chut, Adaran. J'entends pas ce qu'il dit, arrête de parler, Adaran, un peu. Oui, je vous disais qu'il méritait d'être déco. Oh, il est méchant. Mais il fait plein de ronds, ce mec. C'est très perturbant. Trollolol. Ouais ouais, c'est le nom du jeu. Je suis en train de le défoncer mid, hein. Je voudrais pas dire mais... Y'a un héros mid. Oui, bah c'est à dire que tant qu'à faire c'est mieux quoi. Au contraire, hein, s'il y a pas de héros, toi tu te fais de l'XP, t'es tranquille. Hein. Oui mais je veux dire, a priori si je dis que je l'ai défoncé... Enfin c'est mieux qu'il y ait quelqu'un quoi. La tourelle, bon j'arrive, je vais nord. La tourelle, mais je contrefous de la tourelle. Ça fait quoi mon troisième sort avec lui en fait? Parce que si ça se trouve j'aurais pu le tuer. Tu le fais sur une cible et il rebondit sur plusieurs cibles. Putain, d'accord, donc ça a absolument aucun intérêt en fait mid. C'est complètement con de le prendre. Oui, c'est vrai que mid c'est pas super utile. D'accord, toujours merci Adaran. Ta magie. À chaque sort que tu utilises, le cooldown des autres sorts est réduit d'une seconde. Ah, ça c'est intéressant. Heureusement que ça finirait là, hein. Oh là là. Non, c'était Pyro. Ah, c'était Pyro, autant pour moi. Raté. Oh merde. Oh, oh là là, la honte. Oh, tu pues. Moi, je vais me faire massacrer. Et n'empêche qu'il s'est barré, légionnaire. Il a eu peur, il est parti. Voilà, je l'ai fait back. Tel un PGM que je suis. Et le deuxième sort, c'est quoi de machin là, Rise? Ça fait une prison runique, donc le mec est arrêté. Il peut plus bouger pendant 2 secondes, je crois. Un truc putain, comme ça. T'es sérieux? Mais j'aurais tellement dû prendre ça. J'aurais tué déjà depuis. De 20 ans. Il y a à peu près tous les sorts qui sont bien. Ah, mais même là, je l'aurais tué là. Je l'aurais tué deux fois là. Enfin, non, je l'aurais sans doute tué qu'une fois. Je me rends fois, compte là. Que c'est pas pratique parce que les raccourcis c'est Azer et la touche pour que je parle à Mumble c'est 1. C'est pas pratique. Ah, voilà la raison pour laquelle je ne me mets pas. Ah, oui, je suis pas sur. Attends. Ne me retenez pas. Qu'est-ce que je suis en train de raconter comme conneries? Oui, non, je dis des conneries, d'accord, tout va bien. Comme d'hab. Oh, toi, tu peux causer, hein. Vas-y, mais arrêtez de taper la tour, la bande de sagouins là. Oui, yeah. Je l'ai fait. Alors, fuir aussi, quoi. Squalichon, si tu attaques un héroïne. Oui, je sais, les sbires m'attaquent. Tourelle, non seulement les sbires t'attaquent, mais la tourelle aussi. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si un ennemi t'attaque et qu'il est à portée de ta tourelle, la tourelle l'attaque. Donc, ça, c'est un bon truc pour affaiblir les ennemis. Surtout si t'arrives à le stunner, à lui placer ta cage pendant ce moment-là. Ouais, là normalement, avec la cage, il doit se prendre 3 tirs de tourelle, et vu qu'on est en début de partie, ça fait à peu près 600 dégâts, 3 tirs de tourelle.
Les ennemis ont 800 de vie en général à ce niveau-là. Tu veux bien attaquer lui là ? Voilà, comme je t'ai demandé en fait. Et je suis mort. Aïe 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 aïe. On perd. Moi aussi. On a H en face, elle est level 1. Tous dessus. Bah moi remarque j'étais level 1 et comme mon pote s'était barré, j'ai été seul contre 5 vagues de sbires et j'ai pu remonter un peu. Vous saurez gérer ça. Moi il fait des grognements mon héros. Vous avez tué un ennemi. Et bim. Oh GG. Tu maîtrises bien Ryze apparemment. Et voilà, j'ai envie de dire, hein, joueur de LOL, je vous prends quand vous voulez. Tu fais, t'affrontes qui? Nasus. J'affronte Légionnaire. Attends, je sais pas comment il s'appelle. C'est un gladiateur. Non, le gladiateur c'est Panthéon, il est sur ma ligne. Ah oui, Panthéon. Nasus. Ah bon? Je sais pas, on m'a dit que j'allais avoir Panthéon. Oui, mais Panthéon il est sur ma ligne. Hein. Tu sais, il y a trois lignes. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais on m'a quand même dit que j'allais avoir Panthéon a priori. Casse pas les noix. Bah, a priori, on s'est gouré. A priori, t'aurais dû avoir H. Enfin bon, comme elle était pas là. Toujours est-il que je l'ai pourri. GG. Moi, mon héros, j'adore quand je me fais tuer avec. Parce que quand je me fais tuer, je survis pendant 4 secondes, je peux m'approcher d'un ennemi et je lui pète à la gueule. C'est alors, est-ce que quelqu'un a besoin d'un gank? Genre si j'ai un bot. Je vais péter à la gueule d'un ennemi. Ça fait quoi mon ulti? Ouh, 300 dégâts, ça fait du bien là-haut, ça fait mal. Ça fait quoi mon ulti? Ça augmente ta puissance en fait. Et ça fait que tous tes sorts sont de zone. Donc, tu combines ton. Tu fais 4 et ton 3, mais en fait, en plus de faire des. De rebondir sur plusieurs sbires, en plus ça va infliger des dégâts de zone. Écoute, fais le test sur une bande de sbires et tu vas voir, ça c'est un folklore. Voilà, GG. Bien joué. Prison unique, prison unique. Je l'ai pas. Nickel. La 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 la. Bon, j'ai envie de dire. On lui a fait tout le boulot. Non mais c'est normal, c'est la mort en même temps. Comment ça, on a fait tout le boulot là-haut. On les a blessés sur notre lane pendant un bon moment. Ah bah oui, mais j'arrive au bon moment, je suis talentueux. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Ça s'appelle aussi du KS. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Bah non, c'est faux. Voilà. Et ce n'est pas moi qui le dis que c'est faux. Alors, je vais m'acheter des bottes. Ensuite, ils me disent d'acheter ça. Et ben, d'accord, je vais acheter ça. Arise, les objets consommés. Alors, plus 99 armures, plus 500 mana, propriété passive, nanana. Plus 400. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal les objets conseillés. Bon, ça c'est déjà bien. Parce qu'évidemment, contrairement à HON, où là ils vous conseillent des objets vraiment intelligents, dans LOL, ils vous conseillent des objets tout pourris. Ça dépend, il y a des héros c'est bien, il y a des héros c'est vraiment de la merde. Genre, Israël, monter la vie et le mana, ça a aucun intérêt. Aucun. C'est les pires objets même qu'on pourra lui conseiller. Et donc, mais il va mourir ce con. Ah purée. Non mais après on dit que je troll quand je dis que LOL c'est un jeu. Bon je vais pas le dire. Non mais là on a tous des comptes niveau 1. Donc en face le niveau est forcément Pierrot t'es niveau 1? Changer les objets conseillés avec Kog'Maw, ils sont encore plus pourris qu'avant. Pierrot t'es niveau 1? Non pas niveau 1. Tu le vois à gauche, oui, où il y a non, des mais bon, bugs on est, des fois. On est tous, voilà, allez, vas-y, troll niveau sur entre les 0 bugs. Et 15, ouais, pas level, quoi. Troll sur les bugs aussi. Ah, il y a des bugs? Bah ouais, genre des fois, ils mettent 30 ans à s'afficher, le niveau qui passe. Genre, moi là, je te vois level 4, squalichon. Ah ouais, non mais pas mal ça. T'es level 8, ah ouais, pas mal. Pas mal ça, non mais, ah là 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 là, là ce jeu est une catastrophe. Just Killman, ah ça c'est pas un de nous ça. Merde. Non, ça. Faites attention à leur Soraka et leur Panthéon. J'ai envie de dire c'est toi le Panthéon. Oh merci. En Panthéon c'est le mec en armure, enfin avec un bouclier, une lance, style 300. C'est le Spartiate. Voilà. Je reviens tout de suite. Maintenant j'ai envie de dire reviens donc. Et je te défonce. Oh oui, il revient en plus. Ah, moi j'ai mon ulti, je vais rigoler contre H. Un ennemi. Oh yeah. Allez. Oh non, je vais mourir avec la tour. Oh, c'est abusé. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah ouais, mais ça a une portée pitoyable, quoi. Ah ouais, d'accord. Je vais me faire démonter.
Putain, 20 secondes du coup, oh là là. Ce jeu est définitivement pourri. Je suis mort, donc il est pourri. T'es médisant. Non, non, je suis navré. Oh mec, c'est ta deuxième partie, tu fais du 3-1 quoi. Comment ça, c'est ma deuxième partie? J'ai fait une partie contre les bots. Ah oui, je vous disais que j'avais jamais joué, c'est... Oh, Effecto, Effecto, ah, Effecto est mort. C'est pas bien. Pour la deuxième. Oui, donc je disais, la première partie que j'ai fait, c'était contre des bots. C'était juste pour voir un peu comment ça fonctionnait, quoi. Mais ah bah tiens, il est mort l'autre crétin. Qui? Je sais pas, bah celui qui est contre moi. Ouais, oui, change de ligne. Bon merde, du coup j'ai gagné qu'un niveau là, ça va pas du tout. Et pourquoi je gagne 2 PO en supplémentaire à chaque fois que je tue un creep? C'est quoi le délire? Parce qu'on a Twisted Fate avec nous et c'est son bonus. Toutes les... Oh purée, il y a Panthéon qui va venir. On dit merci. Ouais, voilà, on dit merci. On dit pas c'est quoi ce délire. Moi les 2 PO. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça comme bonus. Je trouve ça rigolo. Là pour le coup, je dis bien. Ouais, je dis pas mal. Il y a des héros intéressants comme Twisted Fate et Zilan qui ont des bonus. J'irais pas jusqu'à dire que c'est intéressant. Pas déconner non plus quoi. Je t'explique, Zilean, ça fait que toute l'équipe prend plus 8% d'XP à chaque fois qu'il fait un kill. Comme je troll. Comme je troll. Tu veux bien troller Panthéon? J'ai un peu de problème avec lui. T'es où? T'es top? Ouais. Bah j'arrive. Quoique non, il va se barrer, il va arriver à la tourelle, on va se faire baiser. Allez. Il est à sa tourelle là? Ouais. J'arrive. Attends, ça y est, on arrive à le... Le ramener un peu plus loin. Attention, il lâche. On y va. Bon, epic fail, j'ai envie de dire. Bah non, ça arrive tout le temps. Si, si, c'est un epic fail. Oh, vas-y, doit m'esquive mon truc là. À mort. Bon, je reviens chez moi. Le bonjour chez vous, comme on lit. Et n'hésite pas à péter des tourelles, hein, ça fait plus 150 PO à toute l'équipe. Oula, mais... Oh putain. Il les a défoncés. C'est bon, pétez-les. Et mangez-en. Vous saurez, besoin d'un gank, mid? Oh bah, si tu veux venir, hein. Oh, vas-y, viens. Si t'arrives à le stunner. Ouais, t'inquiète. Ouais, non. Ah ralentir, si, tu peux le ralentir ou pas? Avec Miss Fortune. Voilà, ils peuvent lui faire ça. C'est bon, je l'ai pas. Ah, il s'en sort rien. Tu l'as raté, malgré. C'est quoi ce truc? J'avais pas mon ulti, moi. Ah ouais, et puis j'ai le fantôme, je peux aller plus vite, c'est ça le délire? Oui, c'est ça le délire, comme tu dis. Niveau gagné! Je vais prendre ma cage, comme ça il va être emprisonné plus longtemps, j'imagine. Oui, et ça fera plus de dégâts. Ils sont en train d'attaquer la tour en bas là. Ouais, et nous en haut on est en train de se faire démonter. Gigo. Ah là 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 là, faut tout faire. C'est fou ça. Oh, sois pas mauvaise langue. Hein. Je ne suis pas mauvaise langue. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Allez, me dis pas qu'ils ont wardé. Ah, ils ont pas wardé. Vous êtes prêts? Allons-y. Attends, je vais me téléporter dans pas longtemps. T'es prêt, Discropti? Attends. Non, j'attends pas. Se téléporter. Ah, mais tracé, voilà, elle est en train de se barrer. Ah, moi je suis parfait. Voilà, maintenant. Oh, j'allais que la KS. Bah, c'est pas moi qui l'ai tué. J'avais vu poser mon ulti avec la KS. Qu'est-ce qui serait mieux pour. Enfin, qui est-ce qui devrait prendre les kills? Vous saurez gérer ça. Tout le monde. C'est-à-dire. On fait comment pour. J'arrive middle. J'aime pas quand les ennemis pètent nos tourelles. C'est normal que je lui fasse rien? Il faudrait des gens en bas par contre. Oui, c'est un mec qui a pas mal d'armure et de résistance magique. Moins 40% des dommages magiques. Putain de creep à la con. Allez, il revient avec son peu de vie là que je l'achève. Non, il veut pas, il est méchant, il veut pas. Genre. Jurle au fake. Jurle au fake. Alors, j'ai des sous. Donc, qu'est-ce que j'ai dit que je me faisais? Je me fais ça. J'en ai pas beaucoup de sous, c'est dit, hein. Ça va pas du tout. J'avais beaucoup plus de sous tout à l'heure.
C'était bien mieux. J'avais bien mieux le commencé. Le principe de l'argent, c'est que quand tu le dépenses, t'en as moins. Non, mais j'avais bien mieux commencé. En termes de gold per minute. Ça coûte combien ce truc? Ah, bah voilà. Quel objet? Non, mais c'est bon. Allez. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Bon, alors déjà, parlons un petit peu du jeu, parce que finalement, c'est aussi pour ça que je le fais. Graphiquement, je dois admettre qu'avant, je trouvais ça moche. Vu de près, il est plutôt bien fait graphiquement. Vu de près, c'est mignon. C'est mignon. Bon, après, est-ce qu'on joue à un Dota-like pour avoir un jeu mignon? Je suis pas convaincu. Mais enfin, c'est un autre problème. On essaie de le choper ou pas, hein? Non. Non, il a trop de vie. Je vais bot. Il est près de sa tourelle. Je vais bot. Fais gaffe, hein, il a mis ça un bot. Bah, raison de plus. Ah mince, c'était loin. Dommage, parce que là, on aurait pu se le faire maintenant. Maintenant que j'ai un peu pourri. Alors, ah, il y en a un là. Viens là, connard. Ah, allez. Dans ton buisson. C'est bizarre, mais tu dis beaucoup de gros mots quand tu fais des Dota like. Bon, c'est normal. Bouge pas, hein, ils vont avancer. C'est le principe même du Dota like, j'ai envie de dire. Ah, GG. J'ai failli avoir GG. Le Spartiate, mais bon, c'était limite. Ah ouais. Tu Parce as que fait j'ai, ta j'ai, carte j'ai gold ou pas? Ouais, t'as de quoi les choper ou pas? Avec la quatrième carte, mais le truc c'est que je me suis fait. On y va ou pas? Derrière la tourelle, en fait. Attends, ils vont. Ah, très bien. Je suis en train de péter un peu la tourelle du milieu. Je lui fais pas mal Vas-y. De dommages. Ouais, non, je pourrais pas me la faire ce coup-ci. Mais sérieusement, détruisez les tourelles, ça vous fait plein de PO, non? Au nord, il va péter la tourelle, vous allez voir votre compte en banque. Votre équipe a détruit. Du 150. Oh yeah, je vais pouvoir m'acheter un danseur fantôme. C'est quoi ça? Ah putain, c'est toi Effecto, tu m'as fait peur. Oh mais il fait mal Nasus. Koumi. Ah merde. Démonté. Il m'a démonté, c'était violent. Discropti, il est nul, tralala la l'air. J'ai un danseur fantôme. Ouh, mec, toi je vais te buter. Squally, ou toi je vais te buter. 5 fois par seconde. Et bim! Et bim! Bon, je disais avant la partie que je prenais tous les joueurs de LoL réunis tous ensemble. Et ben, je confirme. Non, tu t'as fait 4 kills, donc il y a au moins encore un ennemi que t'as pas tué. Au moins. Ouais, ouais, bah non, plus parce que je l'ai tué deux fois, celui qui est mid. Ah merde, j'ai pas augmenté mon ulti. Ah, ça c'est pas mal par contre, on voit sur qui tire la tour. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Ouais, ça fait deux trucs que je reconnais à LoL qui est putain. Oh, salaud! Comme il m'a caissé la tour. Ça permet de voir à qui. Foiré. Qui attaquait. Et niveau 10, Just Killman. Pas trop mauvais. Allez! Trop lololol, trop lololol, trop lololololololol. Pour des abrutis, c'est violent. Pour un abruti, non? S'ils prennent pour des abrutis, c'est quand même tendu, quoi. Ne me retenez pas. J'ai dit nous prennent pour des abrutis. Ils s'amusent à aller dans les herbes, sinon on va pas les voir. J'arrive, bot, top. Ouais, bah, ouais. Cadeau. A priori, ils t'ont pas vu, ouais. Enfin, a priori, tu les as pas vus, je veux dire. Si, je les ai vus, mais deux full contre moi, pas full. T'as décidé de rester. Y'a quelqu'un qui vient top? Moi quand je respawn? C'est dans longtemps ça. Ah ouais, meurtre en série, c'est pas bon ça. Si on le tue, on se fait plus de PO que si. Vas-y, il faut quelqu'un top là, y'a pas un petit effecto dans la. Non. Dans l'histoire. Et comment on fait pour que la tourelle elle soit défendue là d'un coup? C'est le truc qui protège la tour là. Mais si, y'a un truc qui protège une tour. Tu dois pas l'avoir. Fais-toi H, j'arrive et on se fait H, l'archère. Ouais, ils vont pas rester. Et l'autre il a moins de vie. Vas-y, ouais, trace ta route, trace ta route, trace ta route. H a beaucoup moins de résistance. D'accord, on va pouvoir bah, la quand tuer tu veux. Plus facilement. Attends, ils sont en train de backer là. Ah, ils sont dans non, les ils herbes. Ils vont pas back, ils vont dans les herbes. Merde. Si, back. Allez, bloquez-les. Oh non, oui. On y va. Tous sur je sais pas qui. Vous voyez ces gros trucs verts qui tombent du ciel, c'est moi. Koumi.
Ça, c'est du travail d'équipe. GG, les mecs. Mais oui. Trop lol. Tu vas pouvoir souligner, les joueurs de LOL sont très chiants. Map hack report. Map hack report. Ah, map hack. Parce qu'on ils t'a vu. Ils disent à Effecto que ouais, trichent, qu'ils trichent et donc qu'ils le reportent. Twisted Fate, sous l'ulti, ça permet de voir les joueurs sur la map, où qu'ils soient. J'arrive, mec. Vive la logique. Non, mais ils sont juste cons. C'est ça aussi qu'on peut imputer à LOL. Les joueurs sont cons. C'est un noob, ce Nasus. Ah oui, oui, bah c'est pas pour rien que j'ai géré mid non plus. Hein. Pas faux. Surtout avec Ryze. Oh putain, c'est un français. Machin. Tant mieux. Ouais. Effecto, recule, on va se faire démonter. Ils ont leur tourelle et on est. J'arrive. I'm on my way. Oh, cette flèche. J'arrive discret, machin là. Dimon Diagaran, c'est mon chien à dire. Vas-y, on va se faire la petite pignouf là. Elle a beaucoup moins de résistance magique, on peut se la faire plus facilement. Et merde, j'ai plus de mana. Non. Aide-moi, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Oh non. Oh non, putain, en plus je pouvais lui péter à la gueule quand je me regarde les sbires. Nice. Trollolol, trollolol. Légendaire. Ah bah on le savait, hein. Pas besoin de jouer à LOL pour le savoir. Squalichon a fait 8 kills sans mourir, ça mérite des applaudissements. Non, j'ai pas fait 8 kills sans mourir puisque je suis à 8-1-3. T'es mort une fois et ensuite t'as fait 8 kills, sinon tu serais pas légendaire. Non, apparemment c'est 7. Mais non, je te dis parce que. Je te dis puisque. Mais ah, j'ai commencé par tuer le mec mid et ensuite je me suis fait tuer par la tour. Donc c'est 7 kills légendaires. Non, c'est 8 kills légendaires, c'est juste que quand on se fait tuer par une tour ou par un sbire, ça compte pas. D'accord, voilà. Donc voilà. Ça file pas d'or à l'ennemi, ça compte pas. Ça compte juste nous comme une mort. Ok. Trollolol, la. Donc je vous jure, hein, je vous promets, c'est la première fois que je joue à LOL. Hein. J'ai juste fait une toute petite partie d'à peu près une demi-heure, mais contre des bots. Mais sinon, c'est tout. J'ai jamais touché à LOL. Donc. Bon, en même temps, tous les Dota likes se ressemblent. Oh yes, yes. Oui, oh, tout à fait. Non, pas elle. Elle, c'était la plus simple à tuer. Par contre, les critiques. J'arrive top. Par contre, les critiques que je formulais du coup contre elle, vous allez me dire oui, alors du coup, si tu as jamais joué, c'est complètement infondé. Mais tout à fait, mais je vous ai prévenu que j'allais troller comme un sale. Et je continue d'ailleurs. C'est toujours aussi pourri ce jeu. Oh, très bien, il avance. Oh, ils sont nuls. Oh, allez, oui. Tu vas tellement mourir. Oh, tu vas mourir. Jeune Pégu, tu vas mourir. Légendaire, trop pas. J'ai fait mon coup et après je l'ai tapé, je l'ai auto-attaque. Mince, je dois y aller. Bah, on va. Remarque où il y a un déco en face, ce sera équilibré. Exactement. Bon, Adaran, on avait prévu le coup, hein, qu'il a priori ne pourrait pas finir. Mais bon, voilà. Hop, Discropti a quitté la partie. C'est pas comme si on avait besoin de lui. Ouais, tu diras pas, t'aurais pas dit ça si tu m'avais vu en fin de partie. Bon, au revoir. Mais y'aura pas de fin de partie. Je joue comme un sac. Aïe, fais finir. Oui. Que fais-tu, Fafnir? Je reviens tout de suite. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Je suis en train de me dire, j'ai un peu peur qu'il soit fort. Et ça, c'est chiant, ça. Est-ce que par hasard, alors peut-être pas rester là par contre. Hop, audio, volume, patch et patch. Voilà, ah bah purée, ça a bien baissé, hein. Bon, c'est pas grave. Putain, ça en fait des creeps, hein. Ouh, bot, j'arrive. Trop tard. Charné sur moi. Je suis désolé, j'ai un petit bug. J'ai pas pu t'aider. J'arrive, Fafnir, j'arrive. Je vais sûrement me faire crever. Non, mais j'ai un bug, je peux pas bouger là en fait.
J'avais pareil tout à l'heure. Je sais pas de quoi ça vient. Ils sont où? Oh! Allez, derrière. Ouh, il me défonce. Squall, j'arrive dans... Ouais, oh, je suis mort. Ouais, niveau 15, ah ouais. D'où il regagne autant de vie? Je comprends pas ce jeu, les gens ils regagnent des vies, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Putain, par exemple Joel Skillman dans le genre il regagne des vies. Moi je suis niveau 15, il y en a un en face qui est niveau 15 aussi, c'est pas bon ça. Ah bah c'est Soraka non? Ah mais ça fait 10... Ah ouais. Je suis pas allé acheter d'objets depuis depuis ah, comment dire longtemps. Ah oui, ça peut gêner un petit peu ça. Ah bah là, comment dire, j'avais 3500 d'or. Oui, quand même. Ça va. Ouais. Voilà. Disons que tu vas sentir la différence maintenant. Voilà. Je me disais aussi, oui, j'avais complètement zappé ça, tiens. C'est étonnant, parce que c'est quand même le principe du jeu, un petit peu. Oula, H, elle a l'air de tirer vite. Bertuzzi Pounds, qui s'appelle. Bon, ça va sans doute se solder par une défaite. N'empêche que je trouve le jeu un petit peu mou, par rapport à Dota, et donc à plus forte raison. Si tu oublies d'acheter tes objets, c'est normal que ça soit mou. Hein. C'est pas faux. Est-ce que je peux l'attraper? Allez! Oh bah oui. Non mais... Aïe. Putain, ça ralentit vachement, c'est un truc de ouf. J'ai oublié de faire mon ulti, mais chut, faut pas le dire. Ouais, Joel Skillman. On y va? Nous, pendant ce temps-là, on arrive dans leur base. Oh merde, j'ai encore claqué mon ulti pour rien. Ouais, fais gaffe, Pierrot. J'arrive. Ah, Pierrot, j'arrive. Non, je suis trop lent. Vas-y, sauve-le. Ah merde. Vas-y, viens par là. Oh oui. Non mais c'est pas possible, qui c'est qui rend de la vie comme ça? Ouh, ça pue pour ma gueule, ça pue pour ma gueule, tralalalalair. Non, je t'ai cagé là, je t'ai cagé, voilà. Ouais, n'empêche que là, on arrive dans leur base, par le haut, ça pourrait être bien. Et ouais, comme je l'ai ninja, hop. Par contre, je vous laisse un peu dans votre merde. Joli. Alors, 1200 d'or, trollolol, tac. Ça coûte combien cette affaire? 1000. Hop. J'ai le bâton de l'archange. Carnage. Oh, Fafnir. C'est pas Fafnir qui a fait un... Enfin, bah si, c'est Fafnir qui a fait un carnage. Ouais, mais c'était grâce à Pyro. C'était pile juste au bon moment, quoi. Ok. Ah, vous êtes en train de péter leur truc? Ouais. Cool. Inhibiteur, je pense. Ah, nice. Donc voilà, League of Legends, il y a aussi des livres apparemment. Ah d'accord. Ah, non, ils ont abandonné. Bon bah voilà. Première partie de League of Legends, enfin premier ennemi victoire. avec donc Fafnir dans le rôle de, c'était quoi ton héros? Miss Fortune, Pyro Phoenix dans le rôle de Velfacto. Ah oui, non. Toi, c'était ton pays. Voilà. Twist le magicien, là, ça, avec ses cartes, là. Ah, Ichiki qui vient s'incruster dans la vidéo. Et donc, Adaran qui n'est plus là, qui avait une espèce de larve ignoble. Je ne sais pas comment. Ouais, plutôt moche. Il s'appelle comment?
Kodmo. Voilà, et donc moi dans le rôle de Ryze, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça, Ryze, et qui a fini. Alors attends, y a pas une page de stats à la fin là? Si, si. Voilà, donc League of Legends qui est décidément un jeu bien pourri à planter. Non, je plaisante. En fait, pour être tout à fait franc, cette partie m'a plutôt plu. Et je reste tout à fait convaincu qu'Heroes of New Earth est beaucoup mieux. Mais c'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Alors, je vous demande d'applaudir dans un tonnerre d'applaudissements. À ma gauche, Fafnir, dont je ne me souviens plus du nom du héros. Voilà, clap clap clap. Ouais, et à ma droite, Pyrophénix, dit le docteur, qui dans ses folles nuits assassine des prostituées. Ouais, pas exactement, mais bon. Desvan, toujours un voyageur. Je ne sais pas qui est Desvan. Donc, et ben voilà, donc comme ça a planté, j'ai pas pu vous dire on n'a pas pu vous dire au revoir correctement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous fait un petit passage encore une fois dans le théâtre que vous avez peut-être déjà vu, qui n'a absolument pas avancé d'un iota puisqu'on a commencé le RP et que ça devient galère. Bref, donc voilà l'occasion pour nous de vous dire au revoir. Donc Fafnir ou Pyro, je vous en prie, dites au revoir. A plus tout le monde. Au revoir. Allez, ciao.